Méditation du 5 octobre. Les mauvaises décisions bouleversent la vie. La justice protège celui dont la voie est intègre, mais la méchanceté pervertit le pécheur. Proverbe 13, verset 6. Ma grand-mère était une fervente chrétienne. Elle a suivi les principes de l'évangile comme on les lui avait enseignés et les a transmis à sa famille. Mais un jour, elle est tombée malade. Sa force et son énergie se sont peu à peu amenuisées. Mes parents l'ont fait admettre à l'hôpital où elle est restée un peu plus d'un an. J'allais lui rendre visite tous les jours après l'école. Elle vivait dans l'ambiance froide d'un centre médical, luttant pour retrouver la santé. Sa situation était très compliquée. Cependant, quand le sabbat arrivait, elle manifestait le désir d'aller au temple. Ni les explications, ni les arguments qu'on avançait pour la convaincre de rester à l'hôpital ne la faisaient changer d'avis. Il fallait obtenir l'autorisation de sortie, faire venir une fourgonnette et 5 hommes pour la transporter. Quand elle arrivait à l'église, son cœur vibrait à nouveau et les larmes coulaient sur ses joues. Elle était là, au milieu de la congrégation, avec son déambulateur et son vêtement de sabbat, chantant ses chers cantiques et adorant le Père Céleste. Ensuite, elle était prête à retourner à l'hôpital avec le sourire. Marc 2 raconte l'histoire de malade qui désirait ardemment rencontrer Jésus. À cause de ses mauvais choix, il était tombé malade. Il était conscient que son intempérance l'avait cloué au lit. Ne pouvant se déplacer seul, mais sachant que Jésus pouvait le guérir, il devait donc convaincre quelques personnes de l'amener au divin médecin. Et il a réussi. 4 personnes ont accepté de le transporter sur son lit jusqu'à la maison où prêchait le Seigneur. Il les a de plus convaincus de les faire descendre par le toit en y pratiquant une ouverture et il a enfin été introduit en présence du Christ. Cet homme avait vraiment le don de persuasion. Mais pourquoi voulait-il tant voir Jésus? Il avait besoin que le Sauveur lui pardonne les mauvaises décisions qu'il avait conduites à la maladie et quand il s'est retrouvé devant lui, il n'a pas eu besoin de parler. Jésus a lu dans son cœur et lui a accordé le pardon. Jésus-Christ connaît les préoccupations de ton cœur. Ne reste pas inactif. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour montrer au Seigneur ton désir d'obtenir son pardon pour les mauvaises décisions que tu as prises. Rien, pas même la maladie, ne peut t'empêcher de te donner au Seigneur. Dis-lui que tu regrettes ton mauvais comportement et demande-lui pardon. Aujourd'hui, c'est le bon moment. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.